Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite à accueillir par un vibrant applaudissement le président de la République, son excellence, monsieur Jovenel Moïse. Je vous demande de rester debout pour observer une minute de silence pour les quatre douaniers brûlés à vivre, je dirais, à Malpass, en novembre 2018. Ils sont morts dans l'exercice de leur fonction. Ils sont morts dans cette lutte acharnée que nous sommes en train de mener contre la corruption dans ce pays. Ce sont des martyrs, ce sont des héros. Merci, asseyez-vous. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre des travaux publics, transports et communications, monsieur le directeur général des douanes, monsieur le directeur de la douane de l'aéroport, mesdames, messieurs les cadres, directeurs de l'administration générale des douanes, monsieur le représentant AI de la Banque mondiale en Haïti, mesdames, messieurs les représentants du secteur privé des affaires, mesdames, messieurs les brigadiers du système douanier haïtien, monsieur le directeur exécutif de la firme de construction de ce bâtiment, SOPEC Plus, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, nous sommes à un moment où toutes les énergies de l'administration douanière doivent se focaliser sur la nécessité de freiner la contrebande et le trafic illicite de certaines marchandises, dont les armes à feu et les munitions qui contribuent à détériorer le climat sécuritaire et endeuillent nos familles. Il est donc crucial de pouvoir mettre à disposition des employés de la douane, de l'aéroport, un local qui répond à leurs exigences de fonctionnement. Travailler dans un espace propre, spacieux et adapté offrira aux employés de meilleures conditions pour se hisser à la hauteur de la mission qui leur est confiée avec encore plus de professionnalisme. L'intelligent agencement des espaces de prestation de services rendra certainement plus aisé les démarches administratives et des contribuables et amoindrira les impatiences générées par la lenteur découlant des demandes à satisfaire. L'inauguration de ce nouveau bâtiment témoigne de ma détermination à munir l'administration publique haïtienne d'espaces de travail qui incite nos fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes et à créer un climat où les contribuables peuvent remplir leurs devoirs fiscaux dans le respect de leurs droits et de leur dignité citoyenne. Je tiens à manifester la reconnaissance de mon administration à la Banque mondiale qui, depuis plus de 10 ans, accompagne l'État haïtien à travers le financement continu de programmes de renforcement des infrastructures et des institutions du pays. Merci d'avoir contribué à la construction de ce beau bâtiment. Cadres et employés
de l'administration douanière. Je vous exhorte à prendre conscience de la lourde responsabilité qui vous incombe au niveau fiscal. Je tiens aussi et surtout à vous rappeler l'une de vos plus grandes missions qui est de contribuer à l'établissement d'un climat de sécurité, de stabilité, de confiance et de paix indispensable au développement des activités économiques. J'attends donc de l'administration générale des douanes un regain de vigilance dans cette bataille incessante que nous menons contre la criminalité transnationale, la contrebande et les trafics illicites qui ruinent notre économie, étouffent notre commerce et freinent les élans de croissance de notre production nationale. J'encourage ardemment nos douaniers à poursuivre les efforts consentis en vue d'assurer une augmentation continue du niveau des recettes aux fins d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je les invite à rester fermes au poste, à se tenir loin de la corruption et à ne point baisser les bras face aux assauts de la contrebande et de la criminalité transnationale. Ce n'est qu'ainsi que l'AGD sera en mesure de continuer à maintenir le niveau des recettes fiscales constamment à la hausse, à contrôler efficacement la circulation des marchandises à travers nos frontières, à protéger notre pays de la criminalité et du terrorisme international qui déstabilise aujourd'hui nombre d'États à travers la planète. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, douaniers, Kapkoutem, Kapgabemla, Frère Maxime, Kapkoutem, dans quatre coins de l'IA, Kapgabemla, Haïtiens, Haïtiennes, Kapkoutem, Kapgabemla, dans la diaspora. La douane est en pile importance dans Zépam comme chef de l'État pays. Institution ça, c'est une institution qui permet l'État de rentrer l'argent pour qu'elle réponde à l'obligation. C'est une institution que tout le monde qui n'est pas honnête, qui n'a pas voulu payer l'État, qui n'a contribué, qui n'a tout vieux trafic, armes, trafic munitions, trafic drogue et l'atelier, il veut contrôler. Alors, tant que vous mettez un directeur de douane ou président, c'est moi pour dire. Exemple directeur Sakita là. Monsieur, qu'on a un directeur, c'est après arrêter qu'il nous sorte. Je ne sais pas comment ça. Hein. Pourquoi nous comprendre qui difficulté on a gagné lors d'un développement à demain pour qu'il y ait autonomie et indépendance. Qui donc, pour nous-mêmes qui contrôlons l'État, je veux dire, faut nous régénérer bien grand pour nous veiller ce qui a passé dans la frontière, dans le port et dans l'aéroport. Nous sommes tendus, le représentant de la Banque mondiale, il parlait de 7%. Le 7 douanières par rapport à PIB qui est environ 10 milliards d'euros. Ça veut dire que le 7 douanières, si nous comprenons bien, il va en pire. Constat nous faisons de la mouille grave en pile, ni sous plan économique, ni sous plan stabilité politique pays. Sous plan économique, dans le chiffre qui vient là, la banque dit
plus passer 500 millions de dollars américains chaque année comme recette fiscale. Côte comme ça va aller. Dans la poche, gros autobus, ici Dieu. Mais pas oublier, je dis nous ça, son seul autobus de notre pays, c'est l'État. Ça veut dire la douane, c'est seul autobus, si vous voulez, qui l'a pour toucher l'argent de l'État. Dans le monde qui décide de faire business, monde qui décide d'acheter dans le pays étranger pour venir revendre. Monde qui décide d'exporter bien, c'est seul autobus qui gagne pour l'argent. Ça va dans la poche, c'est la douane. L'aime garder chiffre ça, si nous avons fait un calcul. Dans le cap là, nous avons pensé maintenant. Ça t'a fait 2 milliards de dollars. Nous devons aller de dollars. Fait. Nous avons dit l'hôpital, centre de santé, combien de salles de classe, combien de centrales électriques, combien de réseaux électriques, routes, barrages d'irrigation, gros pépinières, les panneaux de 100e ou placés, système d'irrigation qui marche avec le soleil, caille pour les gens qui sont faits bio, rété, combien d'aéroports, l'école professionnelle à campus universitaire, nous avons construit pour peuple. Nous ne pouvons pas perdre comme ça. Mais puis le problème qui gagne, c'est l'État prendre pour bloquer des autres, ça. Mettre l'autre dans la douane. C'est douanier au boulet. C'est douanier au assassiné. C'est douanier au menacé. C'est douanier qui est sorti pour fusiller. C'est route qui est bloquée. C'est grève qui fait. Parce qu'il y a un pile de monde qui a fait gros l'argent. Un pile d'argent. Là, il y a des autres dans la douane. Ce que j'aime dire, nous, on l'a. Le problème, ce n'est pas tout le monde qui a résolu. Mais on commence à résoudre un pile dans lui. Un pile qui fait le monde mal. Même à dire nous ça, je dis, fuck, c'est ça nous fait. Si nous voulons quitter un pays meilleur, pour tout le monde qui va venir, pour petit nous, avec petit nous, fuck, il y a une grosse réforme qui fait nos affaires électricité dans le pays. Fuck, il y a une grosse réforme qui fait nos affaires route. Fuck, il y a une grosse réforme qui fait nos affaires, genre l'État a dépensé l'argent pour acheter gaz dans le pays. Mais il faut que la réforme fait tout. Nous avons fait la douane avec des gilets. Ça veut dire nous, après 4 années, la réforme n'est pas encore finie. Ça veut dire qu'il faut nous continuer la bataille pour que la réforme continue à faire. Nous tous contentons, nous avons vu la quantité d'armes et de munitions qui sont rentrées. Non, pas nous. Zam sa yo, munition sa yo, c'est yo kap simen, troubles ak dey nan famille nou. C'est yo kap simen, troubles ak dey nan toute société. Haïti pa produit ni zam, ni munition. Bagay sa yo soti, l'autre bord de l'eau. Et yo passe nan port, yo passe nan aéroport, ak nan frontière nou. Pour rentrer dans le pays. C'est responsabilité pas nous dans l'État pour nous travailler avec tout douanier pour nous prendre bon jambesi pour freiner les contrebandes, empêcher les armes, munitions et drogues ce qu'il est dans le pays. C'est rôle nous comme l'État. Mais la décision ça reprend. Nous faisons tout le monde fâché. Mais si nous voulons protéger la société, si nous voulons pays à démarrer sur le plan économique, si nous voulons une bonne stabilité politique et sociale dans le pays,
Et mesures, c'est une obligé pour nous. Et des mesures, faut que nous prenions. Ministre Finance, ministre Justice, secrétaire d'État Sécurité Publique, ministre Intérieur, directeur général de la douane, directeur général de la police, mettez consommer notre time. Mettez consommer notre time pour nous croire contre les banques. Contre les banques, à tout vieux acte que malfois, à tout acolyte qui empêchait la douane de faire job, j'en dois faire. Mais songez, en 2020, le système qui contrôlait la douane, pour une seule frappe, la douane te fait presque deux semaines, pas qu'à travailler. Parce que, conseiller de gros taureaux, il y a comme l'État, ce n'est pas même chose, papa, non, mais c'est pour y aller. Ça veut dire l'État, en bas Christian. Peuple a dit les bouquets contre les cadavres, les bouquets dans le monde qui a kidnappé, examen illégal qui a rentré dans le pays, munitions illégales qui a rentré dans le pays. Moi, je connais, je t'ai parlé, dans le mois passé, sous problème, ZAM qui sortit l'autre bord de l'eau. Et nous avons bien dit, pour nous dire, frère, nous sommes qui dans la diaspora, nous connaissons ça dévorer que nous, même genre avec les gens qui vivent en Haïti. Mais nous avons dit, tout le monde qui vit dans le pays côté ZAM, nous même l'État, nous commençons le travail, nous déraper le travail pour nous résoudre. Nous avons fait bon genre de travail avec le pays, les amis, nous, côté des amis absolus, pour nous bloquer le problème ça, et en amont, et en aval. Ça veut dire, bloquer le côté absolus, j'en ai dit là, on monde qui est haïtien et qui vit dans le pays, yo, pour les aucun bon dans le problème ça, pour vous, retourner dans nous, pour une piger peine ici. Si c'est étranger, pour le pays qu'on doit faire là, aidez-nous qu'à prendre sanction contre. Et dans le niveau de la douane ici, c'est zéro tolérance. Les gens qui ont des gens qui n'ont pas ça. Mais nous, justice là, doit passer commissaire gouvernement ou l'homme, formel, pour ne pas gagner un passeport qui, depuis aucun bon monde qui a recevoir des âmes. Avec balle dans le pays. C'est le seul pour que vous allez en prison. Pour vous juger et pour condamner. Pas de question de monde pas. Qui vous venez par la gros chef. Ensuite, pour nous donner la guerre. La justice élève une nation. Nous ne sommes pas capables. Dit, nous allons résoudre le problème des armes illégales avec munitions dans le pays. Dans l'impunité. Je demande à tout agent douanier pour faire attention. Être vigilant. À tout le monde qui vient tenter d'offrir l'argent pour quitter passer vieux marchandises pour eux. Nous connaissons, nous ne pouvons pas quitter ça arrivé. Mais nous connaissons parfois. Nous prenons la même, nous connaissons ça. Parce que nous-mêmes, notre travail, brigadier, mais nous-mêmes. Qui a fait vieux actes ça, il y a ingénieux en pile. Notre travail, parce que nous avons une douane qui est moderne, qui est plus efficace, qui est adaptée à l'exigence technologique. Comme ça, chaque agent douanier a senti fier pour faire partie d'une institution qui est société. Le pays a besoin. Pas de développement sans la douane. Pas de croissance économique sans la douane. Pas de
stabilité politique sans la douane. Parce que tout ça que nous fait, c'est l'argent pour l'État à jouer pour le faire. Et moyen, c'est la douane avec des qui l'a voté. Frère Maxime, pendant trois dernières années, ça y est, pays a sauté qu'on ait trois catastrophes majeures. Nous voulons parler du pays loc, coronavirus et kidnapping. Coronavirus là, c'est une maladie qui vient tant que nous papa tout d'un coup. L'hypothèse en pile chrétien vivant aller dans le pays Saint-Jacques, dans le monde entier. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes obligés de prendre une grosse décision pour faire un pays pour un bon bout de temps. Nous connaissons qui ça s'est fait sur l'économie pays. Gros dégâts. Un pile problème. Mais deux autres catastrophes, je voulais parler de pays locs à kidnapping, c'est nous-mêmes qui provoquons les catastrophes. Nous avons une pensée spéciale pour tout le monde, tout le groupe dans la société qui est victime des actes malhonnêtes. Dernier week-end, c'est terrible dans le pays. L'église frappée. En pile au monde, le groupe dans la société a frappé. A fini ça. Même pas baisser les bras. Nous voulons rappeler tout frère Maxime qui décide de faire politique dans le pays. Que nous tous. Nous tous. À la Rambade. Qui est ça qui est dans l'opposition? Qui est ça qui est dans le pouvoir? Nous seuls mettons. Peuple là. Peuple ici. Et je me dis que côté mieux là, je suis mieux placé. Pour me dire que les bagailles arrivent dans le calfou. Moi-même en tant que premier citoyen pays. Nous avons dit que nous devons quitter ce qui divise nous derrière pour nous concentrer nous sur ce qui nous unit. Parce que ce qui divise nous depuis longtemps, regardez qui va nous mener. Regardez côté nous aujourd'hui. Kidnapping, c'est un gros fléau. Puis, une manière pour nous finir avec le problème, ça. C'est mettre tête nous ensemble pour nous mourir contre lui. C'est pas tous ces points. Péter bataille en aglot. Moi conscient que l'État doit faire plus d'efforts dans la bataille contre catastrophe, kidnapping et crime organisé dans le pays. C'est pour ça que toujours l'autorité qui l'a pour ça. Instruction claire pour mettre plus de vigilance et intelligence dans le combat à mener. Contre fléau. Peuple haïtien, famille que catastrophe ça a frappé, m'entend des cris nous, m'entend des rêves nous, m'entend des voix nous. Moi, j'ai dormi dans les yeux. Même j'ai me songé, 2 heures du matin, on n'a pas là, quelques mots. Proche nous pour kidnapper hier. Je fais tout ça la loi bon doit faire pour que bon gens solution qu'à jouer pour résoudre le problème ça. Mais une autre fois encore, je profite de moment ça pour me parler à protagoniste crise politique, sociale et économique qui a bouleversé le pays. Division ça qui installe corps dans nous. Depuis nous avons une décision de tout déjà en 1806. Pour y aller jusqu'à aujourd'hui, division ça pas un hasard. Pas quitter personne qui dit nous un hasard. Division ça c'est une stratégie
que yon ti groupe moun kreye, et ti groupe moun sa yo. Malheureusement, parfois m'tande moun ap accuse pays, ti groupe moun sa yo nan pays. Et yon toujours là. Yon kreye stratégie sa son joun, pou yon toujours gagne l'État en bas griffe yo. Ça veut dire, puis bon manière pour bâcher à marcher, c'est de soulever le peuple là tout le temps contre les gens qui ont dirigé pour créer une instabilité pour la politique permanente pour même aujourd'hui, qui ont gardé la chambre claire. De toute qualité parole, même abdi nous crise ça n'abdi aujourd'hui, nous avons fait tourner une grosse opportunité pour nous étonner le monde. Nous avons étonné le monde entier. Même si nous avons fait ça, la bataille vertière 18 novembre 1803. Pour nous convertir crise ça en opportunité, le monde est en pile sagesse. En pile courage, en pile dépassement de soi, en pile détermination. Je dis à ce moment qui là, côté mien, ça le dit dans notre pays. Demain, c'est va ou même. Mes frères, seuls, nous mettons quoi nous même qui dans la politique là, ça n'a pas changé pour nous. Les nous pourrons venir côté moi là, je vous dis. Si nous ne pas mettre tête ensemble, je vous dis à même, pita à pitris. Il y a toujours mettre un roche dans nous. Il y a toujours mettre un roche dans même pour nous y en nous mettre contre l'autre. Et puis même, il y a toujours été côté hier. Si mal pas monté, si mal pas descendre. Bon Dieu fait aujourd'hui, je suis arrivé sous pouvoir après 4 ans, 2 mois et quelques jours, que je suis arrivé. Ouais, nous sommes venus les peuples là, levé 6-7 juillet 2018, je dis, président, il faut parler, il faut me dire, nous ne sommes pas capables. Parce que si nous ne parlons pas, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Là pour nous parler, nous avons commencé à parler. 15 octobre 2019, là, c'était le samedi que nous avons commencé à parler. Parce que faut nous dire, par ailleurs, le système ça qui est là, pas quitter ou même qui est projet fait politique, il n'y a pas de jeunes qui peuvent diriger le pays. Les papes qui doivent diriger le débouché dans la tête, ouvrez pour le peuple ça à l'en souffle. Souvenez à faire peuple par intérêt. Ou à faire des mandats, ou à faire trois mandats, ou à faire président à vie. Mais de pourvini, ouvrez le peuple ça. Vous voulez parler de 5 millions de monde qui vivent dans la crasse dans le pays. Vous voulez parler de 500 000 petits monde qui parlent l'école chaque année. Je voulais parler de 70% de jeunes à diplôme nommé qui n'ont pas de travail dans le pays. Mon sale. Depuis ces pouillots, vous voulez parler. Le système n'a pas quitté le dirigeant. Même j'en ai, pendant 4 ans, 2 mois. Il n'y a pas jamais de la peur. Parce que, il y a des bagages qui ne sont pas jamais acceptés. C'est pour ça que le pays n'a pas jamais de la peur. Si nous vivons ça, nous-mêmes, comme dit nous, frères et sœurs qui sont dans la politique, je crois que nous bien placé parce que nous aujourd'hui, pour nous dire, nous avons une dernière chance. Pas même bien deux. Une seule. Chance pour nous mettre tête ensemble.
pour nous pas quitter le système ça régénérer tête. Parce que la régénérer tête est sous nous là. Ça nous va même rendre compte. Ça qui a passé là, c'est un perpétuel recommencement. Nous voulons parler des affaires kidnapping. Nous songeons dans l'année 2004, comment on a fait le kidnapping. Le te Valentino, kidnapping tout le monde jeune. Je vous dis, kidnapping de tous côtés. Parce que le pays arrive dans le calfou. Il y a des gens qui ont dit son calfou dangereux. Même pas dit son calfou dangereux. Mais dit son calfou d'opportunité. Le pays arrive dans le calfou. Côté, il y a des gens qui ont tête les autres. Qui croient que ce n'est pas persécuter frère seul. Ce n'est pas gourmet avec eux. Ce n'est pas créer crise politique dans le pays. Qui est capable de mener nous sur route de changement et de développement. Mais quoi moment arrivé pour nous travailler, pour nous joindre une bonne entente entre nous. Moi, je connais une grosse pression qui a baillé. Les gens qui décidaient, je voulais parler de. On s'est eu des soldats de bonne volonté qui décidaient de mettre tête ensemble pour jouer un rôle facilitateur, médiateur dans la crise. Là. Mon al tiré la caillou. Ils ont menacé madame, petite, pour ça pas fait. Mais ma dis-nous, monsieur, dame, nous vivons dans le carrefour côté chaque monde dans le pays. Ils prennent courage. À demain, pour dire ça parfois avec eux. Parce que le peuple a un seul bagage qui demande nous. Un seul bagage qu'il a besoin. Le peuple haïtien demande la paix, je vous dis. Il va demander plus que ça. Il demande la paix. Et seul gens que nous avons la paix qu'il a demandé, c'est nous chiter ensemble. C'est nous qui devons résoudre le problème qui gagne. Et qui plus gros problème qui gagne aujourd'hui? Plus gros problème qui gagne aujourd'hui, c'est l'insécurité. Plus gros problème qui gagne aujourd'hui, c'est la vie chère. Et problème, ça n'a pas qu'à résoudre dans l'instabilité politique. Il n'y a résoudre dans la paix et la sérénité. Frère Maxime, peuple haïtien, nous connaissons, nous sommes peuple qui est résilient. Nous sommes résistés en bas pays loc. Nous sommes résistés en bas la vie chère. Nous sommes résistés en bas le coronavirus. Je dis à l'insécurité prend une forme qui révolte tout le monde. Pas un monde qui va révolter. Contre. Forme ça qui est insécurité pour nous choisir. Nous, m'a dit nous, faut que nous continuions la bataille pour nous retirer le pays en bas de griffe assassin. Je dis à mes côté mieux là. Mais le courage pour me dire la vérité cru. Pour ne pas cacher rien encore. Mais m'a dit nous si nous faisons bac, pita à pitris. C'est jodi pour nous construire solidarité ça. Vivre ensemble ça. Pour nous étonner le monde. Nous pas qu'à faire bac. Cri de cœur ça. Que m'a fait là. C'est pour nous dire que nous avons quatre pays, quel que soit côté nous, tout groupe organisé dans la société civile, tout secteur dans le pays, paysans, femmes, diaspora, jeunesse, en nous collant les épaules pour ne pas perdre ce qu'a fait qui est beau, je dis, tant que vous avez fait barrage, Marlou, courant qui a mettait dans tout le pays, route qui a fait que le monde n'a pas de paix, on est très bien.
nouveau constitution de la trier. Ça y est. Ce n'est pas bagay PAM, ni bagay groupe PAM que y a pire. C'est pour nous tous. D'ailleurs, nous avons année électorale, c'est aller m'boire. Je ne vais pas y avoir avec année Capvini 2022 dans affaires pour voir ça dit son autre président Capvini. Ce n'est pas moi. Ça qu'a fait, c'est pour tout haïtien à la ronde badek qui a fait. M'a dit nous aujourd'hui, mettez peuple ça dans situation, j'en ça toujours fait tout temps pour nous lever contre l'autre là. Ça, c'est lui qui mène nous là côté nous hier. C'est lui qui fait aujourd'hui, nous c'est problème tout presque tout pays sur la terre. Tout le monde a plein pour nous. En nous mettre tête nous ensemble. En nous mettre tête nous ensemble pour nous joindre. Bon solution. Solution pour nous qu'a dit pour nous mettre le pays à sur route la paix et la sérénité que nous avons tous besoin. Encore. Maintenant, son appel par tout groupe organisé. J'aime ce que faire autant. Pour nous capables de mettre tête nous ensemble. Pour nous finir, je demande à vous-même qui est en opposition, vous-même qui est en pouvoir, on fait une chaîne de solidarité avec le peuple pour nous mettre contre l'insécurité. Nous tous concernés, pas de monde qui n'est pas concerné. On a pouvoir, qu'on a opposition nous concerner. Lutte à mort ça, bataille acharnée pour contrôler le pouvoir ça. En nous, était le sous-côté un moment, venez nous chita, pour nous, c'est plus bonne manière, nous capables de consolider l'État. Parce que nous dit nous, constat que nous faisons côté de hier, institution publique, problème. Et si nous-mêmes, nous pas camper pour nous renforcer, parce qu'il n'y a pas faibli depuis longtemps, même j'ai la douane. Côté nous, aujourd'hui, quand pire travail qui fait pour déstabiliser la douane, même féliciter chaque douanier, chaque femme, chaque garçon qui travaille dans la douane en général, nous féliciter nous. Nous quittons, nous arrivons là. Nous pas arriver si même pour division ça en nous maintenant. Nous féliciter. Qu'un des femmes, pas la guerre. Nous tout ensemble pour te coller avec la police nationale pour bataille qu'a mené contre insécurité sous toute forme. Nous qu'a croisé pour nous retourner vivre dans la paix, dans la dignité, avec la tolérance. Merci beaucoup. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.